Mes chers amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, je suis hyper méga heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode. En fait, non, je ne suis pas complètement heureux parce que c'est quand même le dernier épisode. Ça veut dire que cette série touche à sa fin, ça veut dire qu'elle va pas continuer. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette série. C'était un moment de farm intensif, c'était un moment où il fallait se donner, c'était un moment où il fallait se remettre un peu dans le bain de ce farming. Là c'était Target Elixir Noir, donc c'est la série bien sûr Road to Max Hero. Et si c'est le dernier épisode, c'est parce que je vous ai prévenu que j'allais terminer mes héros au niveau 40, et oui, ça a été fait, le roi et la reine sont de niveau 40, donc c'est un grand moment dans la vie d'un farmer. Et voilà, j'ai été ému sur le roi 40 qui arrivait tout à la fin. Voilà, c'est bizarre. Ça fait bizarre, je vous le dis franchement, parce que voilà, on se retrouve avec de l'élixir noir qui ne va plus avoir d'utilité autre pour l'instant que de former mes troupes. Donc ça fait vraiment bizarre. On a tellement l'habitude à ce jeu de manquer de ressources, de manquer de plein de choses, que les choses soient longues, etc. Alors ça a été très long quand même, hein, mais voilà, bon bref, ça touche à sa fin. Pour ce final, bien sûr, je vous montre des gameplays assez significatifs, voilà, des plus de 4000 élixirs qui ont été pris avec des 1200 de bonus, donc ça a été vraiment un gros carton. La reine et le roi 40 ont été faits vraiment assez rapidement, parce qu'une fois que j'étais à l'étape 39, voilà, c'est quand on est à 39, c'est la dernière ligne droite, on a envie que ça se passe, on a envie que ça aille vite, je sais pas, on a envie d'en finir en fait, et en même temps une fois que c'est fini, on aurait voulu continuer encore, mais donc bon, bref, c'est un peu le paradoxe. Que vous dire, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il faut en retenir, que faire pour les autres, etc. On a fait un tuto complet là-dessus. Ce que je retiens, c'est que vraiment le bonus, c'est vraiment important, ça joue vraiment. En Ligue Champion, pour ceux qui peuvent y aller, il y a vraiment beaucoup de ressources faciles à trouver. Il y a et la quantité et l'exposition des réserves. Hein, qui sont généralement jamais vraiment centrées, parfois elles sont complètement données. Faut faire attention bien sûr à ça, à pas perdre trop de trophées non plus. Il faut aussi parfois il faut peut-être abandonner. Et pour pas gaspiller trop de food, parce que si vous gaspillez vos 4 food, quand même, malgré tout, même avec un boost de l'usine de sort, 4 food plus un rage, ça va prendre énormément de temps à reformer. Alors peut-être c'est plus intéressant parfois de, bon voilà, si vous n'êtes pas trop bas en trophée, de perdre et de pas utiliser vos foudres et de prendre que la réserve et pas le bonus, parce que vous pourrez réattaquer après 20 minutes après. C'est important à le savoir aussi. Des choses comme ça. Ce qui est important aussi, c'est de, une fois que vous avez tapé, alors en Ligue Champion, encore une fois, peut-être un peu moins vrai dans les autres ligues, mais en Ligue Champion, plus on monte même, c'est pas comme il doit, pas qu'à 3200 trophées, mais à 3600, 3700, voilà, où j'ai été un peu au plus haut, quoi, les designs de village deviennent répétitifs. Ce qui veut dire que, une fois que vous avez la stratégie pour battre un certain design, en moment archer entre autres, a priori, si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire N fois, il n'y a pas de fail vraiment possible. C'est vraiment beaucoup plus rare et beaucoup plus compliqué de fail sur quelque chose sur un design qu'on a déjà réussi, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc n'hésitez pas à faire quelques tests sur certains où vous n'êtes pas sûr, mais quitte à vous fail de temps en temps. Parce que des fois, vous pouvez être surpris, il y a des designs où on n'est pas sûr, on se dit qu'il n'y a pas assez de bâtiments à l'extérieur, puis parfois ça passe. Et une fois que ça passe, et ben, moi, il y en a certains, je ne sais pas si on verra dans cette vidéo parmi ceux que j'ai sélectionnés, je ne crois pas, ils n'étaient pas partie des plus gros butins. Mais il y en a certains qu'on peut reprendre N fois, et ça vaut le coup pour votre sélection, pour être sûr de, voilà, de pas se louper une fois que vous l'avez repéré, une fois que vous avez testé sur un village que ça passe bien, quand vous le revoyez, comme c'est des designs qui sont répétitifs, encore une fois, c'est-à-dire que plus on monte en trophée, comme je vous l'ai dit, plus les designs sont moins variés, et donc c'est bon de repérer aussi ceux qui passent bien. Voilà, ça c'est des petites choses à savoir. Concernant les troupes de château de clan, c'est vrai que moi j'ai la possibilité d'avoir du golem 5 tout le temps, donc c'est vrai que c'est la troupe que j'ai préférée. Le PK peut le faire aussi, mais ça dépend, il y a des cas de figure où j'ai sur la globalité en fait des cas de figure, j'ai préféré le golem, donc ceux qui peuvent avoir un golem, c'est bien. Sur les derniers temps en fait, j'ai rajouté un géant avec le golem. Je trouvais que c'était finalement le sorcier mourait trop vite, il n'y avait pas trop d'intérêt de compléter avec un sorcier. Donc ça... pardon, excusez-moi. Un géant me paraît bien.
Sinon, si vous êtes dans un clan qui peut pas vous fermer un endroit, franchement, un mélange barbare archer, ça le fait aussi bien. Vous envoyez devant aussi, ça va servir de tank. Et vous. Voilà, et vous envoyez les héros derrière. Ça peut aussi le faire bien. Faut savoir aussi que dans certains cas de figure. Quand vous. Alors moi j'avais des repères par rapport à mes héros. Ayez des repères par rapport au niveau de vos héros. Si vous jouez ma stratégie, c'est-à-dire de lancer les héros sur la fin avec le château de clan pour aller récupérer la réserve ou pour aller récupérer à la fin le 50% avec les héros, en général, moi ça me fait double emploi, ça fait et la réserve et les héros, sauf si la réserve est complètement exposée, mais si elle n'est pas complètement exposée, c'est les héros qui vont aller la chercher. Essayez de repérer vos pourcentages qui vous correspondent. Alors je ne sais pas, moi je sais que quand j'ai fermé, donc j'étais à partir déjà au niveau 35 où j'ai commencé à faire cette série en Ligue Champion. Donc au niveau 35, moi je savais, bah, je sais pas si c'est un rapport, mais 35-35%, ouais, c'était un bon moyen mnémotechnique, mais en gros, mais quand mes héros étaient à 35, je savais qu'à 35% de dégâts, je pouvais aller chercher les 15% restants avec mes héros. Après, quelques variantes aussi en fonction du cheminement et donc de compartiment qu'il y aura, à voir s'il y a beaucoup de bâtiments ou pas. Mais globalement, ayez en tête le pourcentage minimum que vous devez avoir pour aller chercher la fin avec vos héros et votre château de clan. Si vous, par rapport au type de vie, moi c'est généralement, voilà, toujours les, vous voyez les bases que j'ai, c'est tout le temps des max bases au niveau des défenses, avec des murs neufs mélangés avec du 10, ou enfin au moins mur neuf en général. Ça c'est le récurrent. Vous, par rapport au niveau de vos héros et par rapport au niveau des bases que vous allez attaquer, si c'est en master 3, si c'est en master 2, si c'est, voilà, je pense que c'est par, à partir de ce niveau là ça devient intéressant par rapport au bonus. En dessous c'est un peu faiblard. Ayez vos repères, donc ça va se faire avec l'expérience, vos premières expériences. Peut-être que vous c'est à partir de 40% qu'il faut aller chercher le reste. Avant, peut-être que ça va fail. Voyez aussi, essayez de prendre des repères par rapport au type de village que vous attaquez, c'est-à-dire repérer le niveau des tours de sorcier, repérer le niveau de TDE. Si, enfin, TDE en principe, normalement, on se les prend que sur la fin, et encore, si elles sont bien centrées. Évitez peut-être les TDE qui sont très décentrés sur les extérieurs, qui peuvent faire mal à vos barbares archers, surtout si vous n'avez pas des barbares archers de niveau 7, si c'est que du niveau 6. En fait, il faut avoir ses repères et en général, au bout d'un moment, on va vite peaufiner l'histoire et savoir à quel vraiment le niveau de pourcentage nécessaire minimum pour que vous sachiez après que vous allez terminer le 50%. Ça, c'est important d'avoir ces repères là et en général, on l'a comme je l'ai dit par rapport au niveau de la base et par rapport au pourcentage de bâtiments déjà détruits avant de lancer. Château de clan et héros, ça c'est ce que je conseille. En cas de pépin, eh ben parfois ça c'est vous qui voyez, est-ce que vous choisissez de tenter de sacrifier la réserve ou de tenter de sacrifier l'étoile, ça dépend du nombre de trophées que vous avez et si vous avez peur de trop descendre en trophée ou pas. Et deuxièmement, parfois écarter les héros, c'est-à-dire pas les lancer l'un après l'autre. Donc ça vient dans un cas comme ça. Si jamais, par exemple, moi, au lieu d'être à 35%, je ne suis qu'à 30%, il est arrivé des cas de figure. C'est dommage que j'ai pas forcément enregistré le réflexe d'enregistrer tous les gameplays. Il aurait peut-être été intéressant d'enregistrer aussi des gameplays où il y a des cas de figure un peu complexes à gérer sur la fin. Dans ces cas-là, il va peut-être falloir réfléchir à où placer le roi d'un côté pour qu'il gratte un certain nombre de bâtiments et où placer la reine avec le château de clan d'un autre côté. En général, on laisse quand même le tank du château de clan pour la reine, vu qu'elle est plus fragile, le roi lui encaisse bien les coups. Par contre, le roi, lui, il faut plutôt le placer, s'il y a encore des bâtiments à l'extérieur, plutôt sur les endroits où il y a des bâtiments à l'extérieur, parce qu'il va avoir un peu de mal à vite casser des murs. Il a quand même été bien nerfé depuis... Bon, ça remonte à longtemps maintenant, mais c'est vrai que les héros ont quand même pris des beaucoup de diminution de leur point d'attaque en mode normal, c'est-à-dire quand ils sont pas avec leur pouvoir activé, donc ça quand même faut le savoir, enfin faut gérer avec ça maintenant. Et du coup, il faut placer son roi dans un cas de problème comme ça dans une zone où il aura le moins de murs à taper, éventuellement un compartiment à ouvrir avec pas mal de petits bâtiments à l'intérieur tout de suite, et compter les points de vie, éviter aussi de passer par les réserves que ce soit d'or, d'élixir, de pas d'élixir non, parce que celle-là on a envie de la taper bien sûr, mais en tout cas les bâtiments, le château de clan aussi qui est un bâtiment qui a beaucoup de points de vie, parce que vous allez prendre du temps à les avoir et ils vont pas vous rapporter 10 fois plus de le pourcentage de dégâts n'est pas forcément proportionnel au point de vie qu'ils ont. En tout cas, c'est il faut gérer ça. Et donc en cas de pépin, séparer les héros, voilà. Les Tesla, quand vous en rencontrez,
Donc je vous rajoute des petits bonus, hein, parce que c'est des petites trucs astuces. Je fais un peu récapitulatif des choses qui me sont parvenues comme ça dans les cas de pépins. Repérez quand les Tesla se présentent à vous, lâchez une bonne troupe, une bonne. Alors, il faut toujours doser, hein. Faut penser que si vous lâchez trop de troupes, après vous risquez d'en plus en avoir pour gratter les autres bâtiments, et donc le problème du pourcentage est quand même très important. Mais malgré tout, quand vous avez une Tesla qui n'est pas forcément sous couverture devant elle dans le bâtiment, lâchez une bonne troupe de barbares. Moi, c'est vrai qu'en général, je lance, je sais pas, une dizaine de barbares en ligne comme ça, puis une dizaine d'archers derrière, enfin, au jugé, quoi. Là, lâchez vraiment, ciblez devant la Tesla, le plus devant possible, là, lance un bon 7-8 barbares. Bon, moi, c'est des barbares 7 par rapport à des, voilà, des Tesla Max. Après, voyez-vous aussi, par votre propre expérience, que ça donne sur des Tesla inférieurs et vos barbares niveau inférieur. Et tout de suite derrière, quelques archers. L'avantage de la Tesla par rapport à la tour de torsée, c'est qu'elle ne fait pas de dégâts de zone, donc elle fera certes un gros dégât sur le barbare, mais si vous avez mis 8, du coup le temps qu'elle s'en débarrasse, derrière normalement les archers auront le temps de s'en débarrasser. Il faut la gérer, quoi. C'est-à-dire n'attendez pas de. Ne vous occupez pas des bâtiments à côté si vous n'avez pas quand même géré la Tesla. Moi d'expérience, je m'en suis mieux sorti, j'ai évité certains fails justement grâce aux gestions des Tesla qui sortent sur l'extérieur. Faut pas les négliger, il faut les prendre. Mais il faut pas paniquer non plus, il faut juste les prendre en charge. Faut envoyer une bonne petite troupée de barbares et tout de suite quelques archers derrière. Ça fait l'affaire normalement. Même avec des Tesla Max, si vous dosez bien aussi, vos barbares, vous n'en êtes pas trop. Voilà, ça c'est important aussi. Château de clan, je l'ai déjà dit, il faut éviter au maximum de le déclencher. Maintenant, il y a des cas de figure où il va falloir gérer la foudre. Il y a des cas de figure où on pourra se débarrasser avec les troupes qui vous restent. Avec quelques barbares à envoyer une fois que les troupes sont groupées. Et un cercle de d'archers autour des troupes une fois sorti. Alors là, c'est un petit gameplay sympathique, vous voyez, vous avez vu un 2 étoiles en fait qui s'est fait sur le dernier pourcentage, c'était à 49 0 étoiles et puis 52 étoiles. C'est rare de faire ça, mais ça fait plaisir quand même de temps en temps. Et vous voyez là donc l'aboutissement avec la reine à 200 000. Donc en fait, j'avais farmé 198 000, je crois, quelque chose comme ça, et puis j'ai utilisé après le château de clan qui avait un petit peu de butin de guerre qui restait. Je l'ai fait aussi pour le roi, on va le voir après. Sur le roi, du coup, les gens l'ont vécu en live, pour ceux qui me suivent, qui ne le savent pas encore, mais je fais des lives sur Twitch, et donc ma chaîne, elle est tout le temps en description de toutes mes vidéos. Et là, c'était la toute dernière attaque, en fait. Voilà, c'est un petit bout de la dernière attaque, j'ai pas tout mis. Donc c'était en qualité un peu moins bonne, parce que là, vous voyez, c'était en mode streaming, donc il fallait descendre un peu la qualité pour que ça soit assez fluide. Et voilà, donc c'était un design là par contre où les murs étaient tout en haut, et donc il y avait très ouvert en bas, donc je m'étais occupé déjà de prendre 40% sur les côtés, haut, gauche et droite, et après le bas avec le château de clan, et puis voilà, pour les droits vers la réserve. Et vous avez vu, donc voilà, là, ça s'est bien passé, j'ai pris un certain butin, et ce butin additionné, donc là j'étais à 187 000 élixirs noirs, additionné avec les... Non, c'est 488, même pardon, on n'avait pas vu le bonus. Additionné avec ce qui me restait aussi dans le château de clan, puisqu'on avait fait une petite guerre sympathique chez Tomatine, on a fait deux guerres qui sont très bien passées d'ailleurs, mais manque de peau, les gens en face s'attaquaient pas. Et donc ça fait, voilà, du 194 000, 190 000 c'était le coût du roi niveau 40, 200 000 c'était le coût de la reine 40, c'est fini. Bien sûr, je l'avais dit déjà, les gemmes qui me restaient étaient économisées pour utiliser les accélérations de temps pour les héros, ça veut dire qu'ils ont été accélérés, tous les 7 jours qui coûtaient 999 gemmes ont été utilisés pour accélérer les héros, par contre toutes les ressources ont été farmées depuis le début de cette série, et puis même depuis le début que je joue aussi, mais il y a eu une phase, comme je l'ai dit, où j'ai eu droit à un bon pactole de gemmes qui m'ont permis d'avancer un peu plus vite les héros. J'espère que cette série entière vous aura plu, que vous aurez pris un certain nombre d'éléments pour vous aussi farmer l'élixir noir avec cette méthode qui, quand même, est très efficace et à souligner aussi. En plus de son efficacité, de son rendement qui est gigantesque, de pouvoir atteindre des 100K dans la journée, même plus si vous geekez à mort. En plus de ça, tous ces bonus que vous chopez, parce que en plus vous utilisez
peu de sorts, vous utilisez des troupes qui coûtent pas cher, vous utilisez donc du coup les 180 000 d'or et d'élixirs qui vous sont revenus vont vite vous permettre aussi d'améliorer des murs, c'est fréquent. J'ai pu rajouter pas mal de petits murs comme vous pouvez le voir là, sur... enfin, comme vous avez pu le voir sur mon village. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette série, j'espère qu'encore une fois qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à me donner vos avis. Voilà, maintenant beaucoup me demandent ce que je vais faire maintenant, bah écoutez, j'aimerais expérimenter pas mal de compositions de troupes, voilà, de trouver des nouvelles choses, j'ai envie de faire de l'innovation, toujours dans l'esprit d'autres vidéos que je vous présentais, j'aime découvrir des nouvelles compositions, j'aime découvrir des nouvelles façons de faire, et donc j'espère prendre un peu plus de temps pour pouvoir expérimenter tout ça. Merci à tous et à très bientôt, ciao ciao.